Et puis comment vous allez? Bien, j'espère, ici le fondateur de la fameuse entreprise Bien Pic Technologies. Je viens encore une fois de plus avoir un nouveau tutoriel qui va beaucoup vous intéresser afin que vous soyez comme des dieux. Il s'agit bien d'un téléphone Android. Moi, j'utilise un téléphone de marque Samsung. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment l'utiliser comme un ordinateur. Pour cela, j'utilise comme outil un clavier, une souris, une manette. Oui, il est également possible d'utiliser votre manette ou jouer sur votre téléphone, il est également possible. Alors, sans toutefois faire autant, je vous demande d'être attentionné. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire pour que vous ne le perdez aucune de mes vidéos charismatiques. Alors, envoyez-moi vos questions en commentaire. Alors, passons à l'action. Let's go! J'utilise un clavier de type QWERTY, lui un clavier américain. Ensuite, je vais utiliser la manette. Voilà, la manette pour vous montrer comment on peut jouer des jeux sur le téléphone. Comme je l'ai dit, j'avais ici un téléphone Samsung, un smartphone. Oui, ici, on utilise un élément très capital pour le montage. Ici, c'est l'adaptateur USB mini sur lequel je connecte mon switch à plusieurs ports USB pour connecter le clavier là que vous avez vu tout à l'heure. Ici la manette, voilà, et enfin la souris, voilà. Ici on ajoute également à cela l'enceinte Bluetooth pour faire sortir le son qui est en train de sortir en arrière-plan. Alors la première des choses, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut jouer des jeux. Donc ici j'ai l'émulateur PSP qui se trouve sur mon téléphone Android. L'émulateur PSP, le voici ici, l'émulateur PSP. Je vais vous montrer l'émulateur PSP. L'émulateur PSP, le voici ici. Voilà, donc j'ouvre l'émulateur PSP. Allez, voilà. Donc, c'est pour jouer une application qu'on installe sur le téléphone Android pour jouer des jeux PSP. Alors, je lance ici le rallye. Voilà, voilà comment ça se présente. Alors, regardez. Voilà ma manette. Prends ma manette. Voilà, regardez comment ça se passe là. C'est pas de la magie, c'est une réalité. Voilà. Là, sur le clavier, je vais essayer d'augmenter le volume. Regardez. Vous voyez comment le volume augmente là. Regardez comment j'augmente le volume avec le clavier. Voilà. Allez, regardez. Allez, j'appuie. Regardez. Je lance. On peut zoomer. On peut zoomer pour regarder. C'est pas de la magie, c'est une réalité. Voilà, regardez. Le cas, je mentionne comme ça. Voilà. Voyez. On peut jouer. Je le rallie avec la manette sur mon téléphone Android. C'est pas de la magie, c'est une vérité. Ok, ça ne se fait pas le temps, on passe à autre chose. À partir du clavier, regardez, je sors. Voilà, je sors avec la touche échappe. Voilà, je peux même venir, regardez, j'utilise ma souris. Voilà, regardez. Regardez comment je bouge la souris ici, le téléphone, comment ça se passe, je sors là. Allez, viens, mon lit, je peux jouer plusieurs jeux. Voilà, j'ai par exemple Dragon Ball Z, je peux lancer le jeu. Voilà, mais il n'est pas question de vous montrer les jeux sur le téléphone Android. Donc j'appuie échappe pour sortir. Bon, à partir du clavier, je peux même, vous voyez, regardez, je peux même sortir même, attendez, voilà. Donc, je peux même sortir avec les touches, regardez. Donc, je sors, ma touche entrée. Je sors là. Donc, regardez. Là, regardez, je sors là. Là je peux sortir. Allez, je suis sorti avec le clavier. Donc, j'utilise au même moment la souris et le clavier. Regardez, il est également possible d'utiliser le clavier. Regardez, j'utilise l'application, par exemple, là, j'utilise l'application Keep My Notes. Vous montrer qu'on peut également saisir. Si vous avez un logiciel comme Word, vous pouvez également saisir à partir de Word. Hein. Le logiciel Word. Je vous regarde, je clique. Là, voilà, regardez, je viens sur le clavier, regardez, j'appuie les caractères, regardez comment ça sort là-bas, ça sort sur l'écran, voilà,
Voilà, c'est pas à manger. À partir de là, je peux également sortir, faire clic gauche la souris, clic droit. Là, je peux lancer mon dernier son. Regardez. Pas de la magie, c'est une réalité, les amis. J'aime là. Je sors là, je lance un dernier son. Je lance un dernier son. Voilà, peut-être c'est ça mon. Je vais essayer. Chape, chape. Son qui chauffe ces derniers temps. Voilà. Voilà. Alors, les amis. Alors les amis, pour ce tutoriel, il était question de vous montrer comment est-ce qu'on pouvait jouer de la musique, les vidéos, les jeux vidéo à partir du téléphone. Donc les amis, utilisez votre téléphone comme un ordinateur. J'attends vos questions en commentaire. N'hésitez pas à me faire part de vous, à me présenter vos problèmes. Merci pour votre attention. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, déjà je vous attends à le faire pour que vous ne soyez aucune nouvelle vidéo charismatique. Alors les amis, pour un nouveau tutoriel, pour la prochaine fois, merci. Bye bye!